Pleure son fils, parti chercher la vie, oh elle prie pour lui, hey, 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 elle pense à lui, plutôt faut qu'il réussisse, oh elle prie pour lui, hey, hey, hey. Ça fait longtemps déjà. Hello famille, comment vous allez? J'espère que vous allez très très bien. C'est votre ami serviteur Rito. Tiens mon ami, si tu viens de tomber sur ma vidéo, faut t'abonner. Voilà, faut pas écouter les gens, c'est que des jaloux. Abonne-toi, voilà, abonne-toi et puis on avance. Voilà, on va avancer ensemble. Ok, voilà, comme je vous avais dit, il est 14h et on avait rendez-vous aujourd'hui. Je vous avais donné ce rendez-vous là pour qu'on parle un peu de Bordeaux. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi tout ce silence. Pourquoi cette façon de travailler? Pas parce que je suis trop d'accord avec ça, hein. Et puis je vais aussi envoyer un message à l'artiste une fois de plus. Voilà. Je vais envoyer un message à l'artiste. J'espère qu'il va comprendre encore le message. Voilà. Sinon, cette vidéo-là, c'est pour vous expliquer le pourquoi de comment avec des Bordeaux. Donc, si tu veux vraiment comprendre le fond du problème, tu n'as qu'à regarder toute la vidéo et écouter bien ce que je dis. Voilà. Va pas t'arrêter sur quelques phrases et laisser un mauvais commentaire. Là, je ne serai pas d'accord. Je risque même de venir te supprimer dans ton sommeil quand je serai en train de dormir. Voilà, faut qu'on soit clair. Voilà, moi j'en ai marre que tu regardes toujours une minute ou 30 secondes de ma vidéo et tu laisses ces mauvais commentaires. Et ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis vraiment pas d'accord avec ça. Donc, faut changer ça. Prends la peine de regarder toute ma vidéo. Merci. Voilà, vous avez remarqué aussi que j'avais mis une vidéo au début de cette vidéo. C'est la démo du prochain tube de Safarello Bianchi qui sort ce 25 janvier, demain vendredi. Voilà, franchement, quand j'ai regardé la chorégraphie et j'ai écouté le son sous la chorégraphie, franchement, ça sera encore un tube. Parce qu'il faut dire la vérité, pour ces deux dernières années là, on peut se permettre de dire que Safarello Bianchi est un fusain de tube. Voilà, faut pas qu'on soit jaloux. Quand il faut reconnaître. Voilà, en tout cas, j'aimerais aussi m'excuser parce que vous avez bien remarqué que je pensais l'avoir mis dans ma vidéo précédente, ce 10h là, mais je l'avais omis. Donc je m'excuse sincèrement, ce sont les aléas du montage. Voilà, ce sont les aléas. Quand tu penses que tout est déjà en place, tout est déjà au complet et puis tu lances, tu t'aperçois que il y a un truc qui manque. Voilà, c'est ce qui m'est arrivé ce matin là. Donc veuillez vraiment m'excuser et apprêtez-vous demain 25 janvier avec Safarello Bianchi. Ceci étant, fans de Bordeaux, comme je vous ai dit, cette vidéo-là, c'était pour vous. Voilà, je vais vous expliquer un peu. D'abord, ce que j'aimerais vous demander, c'est d'ignorer toutes les provocations, tous les pics qu'on envoie à la tisse. Voilà, on ne peut pas se faire justice soi-même. C'est ce que je veux que vous compreniez. Comprenez ce que je dis. On ne peut pas et on ne pourra jamais se faire justice soi-même. Ignorez toutes ces personnes-là qui passent le temps à vouloir rabrouer la tisse. Ça ne servira à rien. Ça va... rien enlever à la tisse, ça va rien nous enlever à nous-mêmes. Voilà, concentrons-nous parce que vous avez vu ces derniers moments là, j'ai fait des sorties vraiment très 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 salées et ça a vraiment dérangé. Voilà, et si vous avez bien remarqué, je me suis même excusé, vous n'avez pas apprécié, mais chacun a son éducation. Voilà, moi j'écoute beaucoup mes parents. Voilà, c'est vrai que nous sommes vidéoman, youtubeur, on débat de certains sujets souvent, mais quand il y a une personne qui te coûte cher, qui te coûte très cher, qui te dit mon petit,
ça ne t'enlèvera rien de t'excuser et de passer à autre chose. Moi, j'obéis. Voilà. Donc, si j'ai offusqué certains parmi vous, je m'en excuse. Hein, les amis, je m'en excuse. Je m'excuse aussi à vous, les fans de Bordeaux. Mais comme je disais en début de vidéo, ce que vous devez savoir, c'est que vous devez d'abord, un, ignorer tous ces provocateurs-là. Ça ne finira jamais. Ça a toujours existé, d'ailleurs. Voilà. Mais je pense que vous faites mal de vouloir répondre ou de vouloir aller en guerre avec ces personnes-là. Voilà. Moi, je vous sens très réfléchi. Je vous connais très, très, très calme. Voilà. On va dire que c'est l'atmosphère qui nous a changé. Et souvent, on pète les plombs. Voilà. Et ça, je peux vous le tolérer. Mais je vous demande vraiment d'ignorer cela. Cependant, pourquoi des Bordeaux mettent tant de temps avant de faire sortir un son? Mais c'est simple. On sait qu'il a pour habitude de mettre plusieurs mois avant de faire sortir un son. Mais ce qu'il faut savoir, mine de rien, après Agazagaza, il nous a fait sortir Georgette Eto, qui est un très bon son, moi perso, qui m'a plu. Un artiste aussi, c'est pas fait sortir des morceaux chaque jour ou chaque mois. Mais le seul problème avec des Bordeaux, c'est que notre artiste, il exagère un peu. Donc je vous comprends. Je comprends un peu votre impatience. Il nous manque à tous. Ça, faut pas qu'on va mentir. Même il manque aux fans de KJ Vara, aux fans de DJ Arafat, aux fans de Beno, aux fans du Coupé Décalé. Il manque à la musique ivoirienne. Rappelez-vous, lorsqu'il avait fait son coup de buzz en disant qu'il arrête la musique, vous avez vu les personnalités qui l'ont approché pour dire « Petit, arrête tes conneries là, prends le micro et continue à chanter. » Vous vous rappelez? Voilà. C'est quelqu'un de très fort, mais souvent qui sombre, on va dire, dans la solitude. Voilà, ne lui en voulez pas. Voilà. Il a pour coutume de dire qu'il n'est pas en concurrence avec quelqu'un. Si vous ne comprenez pas ça, vous serez toujours impatient de l'artiste des Bordeaux. Écoutez bien ce que je vais dire dans cette vidéo-là. Hein. Je suis en train de vous expliquer pourquoi l'artiste du temps avant de faire sortir un son. Mais en même temps, j'ai mentionné au début de vidéo aussi que je vais lui envoyer un message clair. Voilà. Moi, tout ce que je sors de ma bouche concernant l'artiste des Bordeaux, c'est pour le faire avancer dans sa carrière. Donc, écoutez bien mes propos. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de soit multiplier les vidéos, s'il y a des vidéos au monde comme moi, multiplier les vidéos pour dire, des Bordeaux, faut que tu sortes maintenant, tu as assez duré, on a besoin de toi, mais Dieu, tu t'en vas en tournée, tu ne vas pas nous laisser comme ça dans le néant, il est parti en tournée. En tout cas, bougez-vous. Et mieux, priez pour votre artiste. Les vrais fans le font. Priez pour votre artiste. Vous ne savez pas ce qu'il se trame dans la tête actuellement. Je vous avais déjà dit que si c'est au niveau des sons, il en a beaucoup. Maintenant, ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi il ne les sort pas. Voilà. Ça, c'est à son niveau. Ça, c'est à son niveau. Mais ne lui en voulez pas, en fait. Des Bordeaux, on le sait tous, il est très talentueux. Nous, souvent, qui lui disons la vérité, c'est parce qu'on veut qu'il aille plus loin que ça. C'est pourquoi souvent, on fait des vidéos pour le titiller un peu. Mais c'est rien de méchant, les amis. C'est rien de méchant. Des Bordeaux va superbement bien. Voilà, il va superbement bien. Ça, seulement, vous devez rester tranquille pour ça. Et puis, je vous avais dit qu'il va nous faire une grosse surprise avant d'aller en tournée. Et puis, il y a des gens qui sont malhonnêtes. Il y a certains fans de Des Bordeaux qui sont très malhonnêtes. Vous ne vous rappelez pas des fois où quand je disais quelque chose à mon artiste et il obéissait. Là, irritant, franchement, quand tu parles à l'artiste, écoute. Mais la fois où j'annonce quelque chose et ça tarde à venir, c'est pas que ça va pas arriver et que ça tarde à venir, que j'annonce depuis, il ne vient pas. Mais je ne suis pas l'artiste. Moi, je suis un motivateur pour l'artiste. Moi, je suis, si tu veux, une lucarne pour l'artiste. Je ne suis rien de plus que ça. Voilà, je ne suis pas dans son staff. Voilà, c'est ce que vous devez comprendre. Donc, tout ce que j'ai à vous demander, c'est de rester fan des Bordeaux. Rester fan et fier. Parce que tous croient qu'il est fini. Mais vous êtes d'accord avec moi que chaque fois qu'il fait sortir un son, ça fait toujours polémique. C'est parce qu'il a du charisme. C'est parce qu'il ne sait pas utiliser ce charisme-là. Il ne sait pas profiter de ce charisme-là. C'est ce que vous devez comprendre. Sinon, des Bordeaux, les Koufa, ce ne sont pas les sons qui lui manquent. Il en a beaucoup. Et chez Aku, et chez Bébé Philippe. Peut-être qu'il en a encore aussi avec Champy Kilo, parce qu'il est en train de préparer un album. Donc, ne vous effrayez pas. C'est vrai que l'attente est très longue, mais il a ses raisons. Il a ses raisons. Tout compte fait, il nous fera toujours danser. À moins qu'il vienne faire un poste ou bien direct pour dire que moi j'arrête la musique comme il a fait la dernière fois. Donc ne vous emmerdez pas. Moi je suis très impatient comme vous. Tout le monde est impatient. Je vous dis, même ses ennemis sont impatients. De toute façon, il est dans son silence. Quand il va faire son silence, marcher haut, sinon c'est moqué de lui. Donc il y a des gens qui l'attendent. Vous comprenez un peu? Voilà. Cependant, voilà ce que j'ai à dire à
de Bandoli Koufa. Si je ne me trompe pas, pour ce qui est officiel, pour ce qui est sur les réseaux sociaux, pour ce que tout le monde connaît, en cette année 2019, je pense que tu approches tes 34 ou tes 35 ans, si je ne me trompe pas. Cependant, il faut te bouger parce que, mine de rien, pour ton style de musique que tu as choisi, qui est le coupé décalé, à 40 ans, tu ne seras pas joli à voir dans ce style musical-là. Or, c'est ta première identité. Bien que tu peux, on va dire, te convertir dans un autre style musical, mais actuellement, tu fais du coupé décalé. Moi, je pense que tu as encore 4, 6 ou 5 ans encore devant toi où tu dois au moins laisser, on va dire, une grande histoire pour ce mouvement-là qui t'a adopté et que tu as épousé, le coupé décalé. Tu as eu du succès avec beaucoup, beaucoup de sons. Tu mènes une vie tranquille, tu roules les belles voitures, tu as des belles nanas, il n'y a pas de problème. Mais je veux un impact venant de toi. Parce que tu n'as plus 25 ans, de Bandoli Koufa. Tu n'as pas 26, 27, 28 ans. Tu as dépassé, je dirais, un peu largement la trentaine. Donc, il faut te ressaisir. Tout ce que tu as à faire, je pense, hein, à mon humble avis, c'est de faire fi de tous ceux qui passent le temps à t'envoyer des pics à tous tes détracteurs, te concentrer sur les fans du coupé décalé, sur les fans de la bonne musique et sur tes fans à toi. Et faire ta carrière. Quand tu feras des concerts, on sera toujours prêt à partir à tes concerts. Quand tu feras des showcases, on viendra toujours te soutenir. Tu fais sortir ton album, ceux qui veulent l'acheter vont l'acheter. Donc moi, perso, je n'approuve pas ce long silence-là. Silence, d'accord, mais silence à long terme, on t'oublie. Ce qui n'est pas mon souhait. Donc, il faut te manier. Il faut vraiment, vraiment te manier. Tout le monde sait que tu chantes bien. Mais je sais que tu as beaucoup de sons. Et tu aimes tellement perfectionniste que tu es en train d'hésiter sur tes sons que tu as actuellement pour nous envoyer quelque chose. Tu es de Bandoli Koufa. Nous, on veut juste t'entendre chanter sur une mélodie. Voilà. Tu n'as plus rien à prouver parce que tu as fait de nombreuses chansons à tube. Mais je t'interpelle simplement parce que tu es en train de prendre de l'âge, de Bandoli Koufa. Tu es en train de prendre de l'âge. Donc, il faut simplement te ressaisir, sortir de ce silence et faire ce que tu sais faire. Mais loin des clashs, loin d'envoyer des pics, tu te concentres que sur nous, sur ceux qui t'aiment vraiment, sur ceux qui sont fans de la musique ivoirienne. Et puis, tu verras le résultat. Parce que moi, perso, je suis jaloux de voir Fali Ipupa acheter une voiture à combien de milliers d'euros, un truc Davido s'acheter une maison à Miami, un Whisky s'acheter une maison à 5 millions de dollars à Miami, pourquoi pas des Bordeaux. C'est tellement possible avec le talent que tu as là. Voilà ce qui me dérange un peu, et puis souvent je suis un peu dur avec toi, sinon rien de plus que ça. Donc, d'autres disent que je ne suis pas un vrai fan de toi. Bon, moi j'ai plus à me justifier. Mais prends le peu de bons messages qui est dans mon discours, qui est dans cette vidéo-là, et puis essaie de te refaire, c'est tout. Et tu verras le résultat. Ton entendement, il est immense, bien que tu aimes dire à tout le monde que tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un, mais tu es en concurrence avec toi-même, parce que tu as besoin de prouver encore que tu as du meilleur que tu ne nous as même pas encore montré. Voilà, c'est un peu ça, le sujet de ma vidéo aujourd'hui. Donc j'espère que tu ne vas pas mal l'apprendre, cette vidéo-là, et puis tu vas te bouger. On a besoin de toi, de Bordeaux. Tu nous manques vraiment beaucoup. Donc j'invite tous les vrais fans de Bordeaux, qui me soutiennent réellement à partager au maximum cette vidéo-là. Elle doit faire un peu de bruit sur les réseaux sociaux. C'est mon cœur qui a parlé. Merci.